La nouvelle saison de Première Ligue qui commence une première journée et il va falloir être très fort d'entrée de jeu. Qui va l'emporter dans ce choc? On va le découvrir dans quelques secondes. Salut tout le monde, bienvenue à Newcastle, bienvenue à St James Park. Dans la cabine de commentateurs, Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment Thomas Da Fonseca, la Pulquita, une nouvelle saison de Première Ligue qui commence pour ces deux équipes, Newcastle et Aston Villa. Une place en Ligue des Champions à la fin de la saison, ça semble faisable comme objectif. En tout cas, ça commence par une bonne prestation pour ce premier match de la saison. On va parler de la composition de cette formation. Voilà la coupe officielle de cette équipe. Moussa Diaby. Avec Douglas Luiz. Ah, le ballon est perdu. Qui peut avancer sur l'aile. Oui, c'est bien fait. Quelle parade de Martinez. Ah, il vient frapper ce corner. Ah, ça, c'est une tête qui passe très loin. On voit la colère du coach sur le banc de touche après cette occasion. Alex Moreno. Alors, s'il est difficile, on considère un match déjà au débat à ce sujet. Ce n'est pas n'importe qui, c'est normal et on peut jouer. C'est le destin des professionnels aujourd'hui. Tu ne restes plus, ta vie dans la même fleur. Change, tu reviens, tu repars. Ballon.
attention à la faute parce que ça donne un excellent mouvement pour l'adversaire. Vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Oui, le tir. La fin des pénaltys. Oui, l'arbitre a dit, indique le point de pénalty. Thank you.
rendez-vous de Première Ligue, Newcastle à Manchester City. Et oui, le football c'est un jour, un jour de casse. Récupération très haut sur le terrain. Et ballon en profondeur.
Oui, cette victoire, c'est un très bon début pour cette équipe. Mais bon, un autre résultat, ça aurait été décevant. Mais sa performance, c'est vraiment une des grosses satisfactions de cette équipe. C'est son but, plein de caractères d'ambition, qui a libéré tout le monde en fin de match et apporte la victoire à son équipe. Just a couple of questions for you. Thank you for